Oh my god, ce son! Ce son, les amis! Oh oui! Vous êtes en train de vous dire, mais à quoi on va jouer ce soir? Alors, c'est un stream bonus. C'était pas prévu du tout de base. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je me suis dit, écoutez, bonjour à tous! Bonjour à tous et bonjour à toutes, les amis. Il est actuellement très tard. Il est 22h46. Enfin, tard. Ça dépend pour les gens, mais aujourd'hui et dès maintenant, c'est incroyable de dire ça, mais on se retrouve pour du Alien Isolation. Voilà, non, pas du Among Us, je sais, on est dans l'espace, oui, personne vous entendra crier, j'avoue. Voilà. C'était un jeu que je voulais faire depuis longtemps, et je me suis dit, vu qu'on est là, enfin, tout seul, moi, sans Overspace, pour représenter Cœur de Gamer, Make a Wish, merci à tous, merci à toutes. On va essayer de rattraper un jeu que j'ai fait il y a déjà... presque un an et demi, deux ans en fait. Perso et tout, bah écoute, ouais c'est vrai, ouais c'est pas faux. Ouais. Tu as raison, Béatrix. Voilà, donc Alien! Alien, alors en fait les amis, anecdote, justement qui faisait partie un peu de la FAQ. J'adore l'ambiance, j'adore l'univers de Alien, je suis très fan de Alien, tout comme les Predators, et je voulais absolument faire... un live, et je me suis dit, j'ai dit Overspace, vraiment, il y a une demi-heure, on finissait le McDo, j'ai dit, écoute, frère, je finis Big Mac, et je me dis, ouais, écoute, tu sais quoi, j'ai envie de, tu vois, de faire Alien. Alors, pourquoi j'ai le masque, c'est normal, c'est, même si, en fait, Overspace peut venir de temps en temps, c'est possible, du coup, quand il est là, au moins, s'il vient, au moins, j'aurai le masque, normal. Pourquoi tu as un masque? Parce que je représente ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, j'ai le masque, pour le Covid, pour toutes les personnes malades. Et en plus, on représente Cœur de Gamer, Make a Wish. Les amis, merci encore à tous et à toutes. Donc, Alien. Écoutez, c'est un jeu d'horreur. Voilà, je le répète hein, un petit peu. Est-ce que vous m'entendez... Vous m'entendez bien? McDo, merci. Merci au modo, voilà. Donc, de toute façon, vous avez un aperçu. Bienvenue dans Alien Isolation. I don't know if you can hear me, but I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here. Courir. En vrai, c'est une... En vrai, c'est une mauvaise astuce. Il faut pas courir dans le jeu. Bref, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voilà, vous avez l'aperçu, ça vous laisse le temps de voir si vous avez aimé, si vous voulez rester ou pas. Ce que je peux comprendre. En tout cas, on est 4! On est quasiment 4000, c'est fou. Bon, allez, je lance. On aura largement le temps de parler. Je ne sais pas si je tiendrai une heure ou deux, ou trois, ou quatre. Mais... on est parti. Alors, j'avais lancé une partie pour tester les graphismes, mais je pense que là... on est parti. Les amis. Je vois tellement de... on est parti. Merci Jason. On est parti Jason. On le fait pour Make a Wish, n'oubliez pas. La description, les dons. C'est parti.
Le son est bon, hein. Est-ce que le son est bon? Overspace c'est pas là parce qu'il a horreur des jeux d'horreur. Voilà, c'est pour ça qu'il est pas là. Mais bon, j'ai mis le masque. Pourquoi le masque? Pour pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens, voilà, qui souffrent malheureusement avec cette horrible maladie qui est le Covid. Bref, on va laisser parler Hélène Ripley. Quelle femme! Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Voilà, donc alors. On va laisser la cinématique passer. Ripley ? Je parlerai après. Mon nom est Sam Wells. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce appelé l'Anessidora qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Notre voyage vers la station... Notre ? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Un petit chaos. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Bon, très bien les amis, c'est là que l'aventure commence. Donc, Alien, Isolation, donc, qui se situe un petit peu, je dirais, entre le 8e passager. ça va peut-être piquer quand je vais dire ça, mais... Alien, le film, le 8e passager, enfin, le 8e passager était exceptionnel déjà à l'époque, c'était fou. Je voulais faire juste... un gros big up déjà à vous tous, à vous toutes. Merci de partager
ça avec moi. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très 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 longtemps. Sur la chaîne YouTube, je suis très fan des jeux d'horreur. J'aime énormément les jeux d'horreur. Pas parce qu'ils me font... Ouais, peut-être parce qu'ils me font un petit peu peur, mais parce que j'aime énormément l'ambiance, l'histoire surtout. Et à savoir que le huitième passager date de 79. Voilà, bon, c'est bon, ça pique. J'étais même pas né, voilà. Bref, bon, du coup, on se retrouve à quel an, vous avez bien compris. On était donc actuellement avec Samuels. Donc, on joue, il me semble, Amanda Ripley, donc la fille de Ellen Ripley. Qui est... c'est fou parce que les graphismes... Il faut savoir que le jeu, je l'ai vraiment juste testé. Mais j'adore l'univers de Alien. C'est fou. C'est fou. C'est Street Fighter, ça. Clairement. Ok, bon. Donc, là, ça sent le sommeil. Oh my god. Le Torrance! Ok! Non, je suis allé. Non. Est-ce que vous entendez très bien le son? Étant donné que le son est le plus important, plus que ma voix. Est-ce que les amis, vous entendez le son ou pas? Est-ce que vous êtes chaud? L'aventure commence maintenant, justement. Est-ce que tu l'as déjà fait? Non, je l'ai pas fait, justement. Mais je connais un petit peu, je sais comment ça se passe, tout ça. Mais non. Je l'ai pas fait. Bon. Merci à tous les subs, c'est ouf. Et merci à tous les dons. Merci au Stardus, énorme. Né 91, exactement, je suis né en 91. C'est ça. C'est fou de vous partager ça. Et un gros big up aussi. Vous devez trouver ça bête. Mais à Fantasio 974, un gros big up parce qu'il est très fan de la saga. Et je le remercie énormément de m'avoir partagé aussi également cette passion. Et il le mérite. Fanta, on t'aime. Des bisous, on t'aime. On pense à toi. On pense à toi. Ce sont tout ce qui rime avec Alien en général, ou Xenomorph. Rime avec Fanta, hein, bien sûr. Donc là, actuellement, on est dans le Torrance. Très bien, oui, bah merci beaucoup. Merci Anna, merci pour le retour. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Je rappelle que je représente Cœur de Gamer. N'oubliez pas de faire un maximum de dons, les amis. N'oubliez pas qu'à 2000 euros, Overspace, je le déguise. Le fantapeur. Mais oui, Lisa, et merci à Voodoo, Lissandro et Lemkra et tous les autres modos qui sont présents, modératrices. C'est fou. Ils sont là, même pas pour vous embêter, au contraire, ils sont là pour vous aider. Enfin voilà, bon. Verlaine, tu cherches un officier navigateur. J'ai un ami qui vient de perdre son vaisseau. Il est à la recherche d'un boulot. Je peux me porter garant, il y a un dossier solide. Toujours le même refrain. Les grosses multinationales l'ont bouffé. Ils ont racolé tous ses clients. C'est de plus en plus dur pour les petites entreprises de décrocher des contrats, et je songe même à me retirer du business tant que j'ai pas encore un truc à vendre. On dirait que ça quand même bien, ça va quand même bien pour toi. Je suis passé au doc et j'ai entendu dire que tu venais te barrer. C'est pas Stopol, hein. Être du cul du monde. Enfin, il paraît que la Wayland Utani paye bien. Wayland ! C'est le prix, Wayland. Bonne chance à toi. Tu connais la chanson ? Si tu peux pas... Si tu peux pas les battre, autant les rejoindre, pas vrai? Ouais, est-ce qu'on se capte à ce rendez-vous? D'accord. Yes, à la Royaume d'Utani, ouais, bien sûr. On a toujours été très intéressé pour le... Et merci beaucoup, attends, j'essaie de voir le top chat. Hein. Merci encore pour le don, merci pour le sub! Bon! Sauvegarde du salut. Eh.
Waouh, c'est incroyable. On est en 2147 et c'est encore une douche qui fonctionne normalement. D'accord. Oh, ce genre de sas. Eh ouais, il y aura une rediff. Yes. Pourquoi tu portes un masque? Je porte un masque pour représenter et pour aider toutes les personnes qui sont touchées pour le Covid. C'est normal, je représente aussi ces personnes-là. Et cœur sur vous, les amis. Pour toutes les personnes dans votre famille qui ont des soucis avec le Covid. Et c'est normal. Non, je cache rien. Voilà. Mais sinon, non, tout va bien. Ah, Ripley. Samuels, vous êtes déjà debout ? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo ? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée ? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. Vous feriez mieux d'aller vous changer maintenant, Ripley. Je pense que Verlaine va bientôt nous appeler. Ah ouais, mais je suis bien comme ça, regarde, regarde, il manque plus que les tongs là et tout, je suis bien. Bon. Bref. Samuels. Ok. Donc c'est un androïde. Il faut savoir qu'il y a des androïdes dans le, l'univers, justement, de Alien. A savoir que moi, je n'ai pas connu le 8ème passager... à sa sortie, étant donné que je n'étais pas né. Mais je fais un gros big up à mon papa. À mon papa, El Padre. Qui lui, justement, a vécu. Et à Madre aussi, également. Hein, pour, qui ont connu, justement, Alien. C'était génial. J'imagine que... aussi débat. Tout le monde devait se faire dessus. Taylor. Bonjour. Ripley, y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Ah, c'est pas trop merci de beaucoup pour les dollars qu'on a redit. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Weyland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Bonjour à si tous, j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai? T'as vu Samuels? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Tu ferais mieux d'aller te changer. Verlaine va bientôt nous appeler. Alors, je pense que les modos pourront copier-coller. Pourquoi j'ai un masque? C'est pour représenter les gens qui ont le Covid aussi. Et parce que Overseas, ça va peut-être faire des allers-retours. Voilà. Et du coup, je vais pas remettre mon masque et enlever mon masque à chaque fois. Voilà. Et c'est surtout pour supporter, entre guillemets, les gens à l'hôpital qui ont le Covid. Voilà. On le fait pour eux, les amis. Alors là, si tu joues au poker, bon, avec ça, t'as pas de jeu, hein. Bon, bref. Ah, bon. Donc, on est sur... Je vous rappelle, Alien Isolation. Peut-être que... pour pas mal d'entre vous, c'est actuellement un jeu un peu... bizarre, parce que vous êtes trop jeune, peut-être. Mais c'est un plaisir de vous l'apprendre, justement. Alien Isolation, enfin, Alien, quoi. A telle heure, incident Nostromo, dossier Weyland-Yutani. A telle heure, j'ai votre requête de dossier. Il va me falloir un petit moment pour éplucher les fichiers. Et l'incident est survenu avant que j'arrive à la compagnie, du coup, les détails m'échappent un peu. En 2122. Donc ça va, Punk, on sera peut-être sorti à ce moment-là. Non, j'espère. Le vaisseau. Petite blague. Le vaisseau de marchandises de la Weyland-Yutani, l'USS. Nostromo a disparu. On n'a trouvé aucune trace de sa charge ou même de son équipage. Ah! Ah!
Excepté le nouvel officier scientifique, le reste de l'équipage avait déjà travaillé ensemble auparavant. Ils étaient au nombre de 7. Dallas, le capitaine. Ash, l'officier scientifique. Kane, à moins que ça soit Kane, second officier. Ripley, quelle femme. Lieutenant Lambert, navigatrice. Parker, chef d'ingénieur. Brett, technicien. La voyante du Tony a perdu énormément d'argent et ça fait un peu de tâche sur son historique. J'ai l'impression qu'ils évitent de le mentionner. Enfin, je vais essayer de trouver les fichiers plus tard, histoire d'éclaircir quelques points. Si vous voulez, je peux vous filer un coup de main pour les tirer, pour les trier. Pour les tirer, pour les tuer. T'sais. Peut-être que votre chance déteindra sur moi. J'ai entendu dire que les chefs vous veulent sur un truc important. Saul. Ah ah! Bon alors, donc, on va vous expliquer un petit peu les amis, donc, comment que ça se passe. Comme j'avais expliqué, ça se passe entre le premier film Alien et, je dirais au moins le 2. Et en gros donc les aliens, l'alien, donc le xénomorphe, horrible. A infecté le Nostromo, bien sûr. Enfin, infecté. Surtout à cause d'eux. Ils avaient qu'à pas visiter le vaisseau du Space Jockey, ça s'en serait pas passé comme ça. Oh, c'est énorme. En tout cas, un gros big up à tous ceux et à tous et à toutes. Oh, bref, bon, c'est énorme. Ils connaissent l'ambiance alien parce que c'est. Soirée ouf. Bon, on a vu dès lors. Bon, allez, on va jouer. On va jouer un peu. Merci Luna. T'as loupé mes dons, sinon je t'adore. Merci Luna, mes soleils. J'étais à fond. Je suis à fond dans le jeu. Coolis. Et on est 3500. Vous êtes 3500 en train de me regarder jouer à ce jeu. Et ça lag pas trop, c'est bon. Est-ce que c'est fluide? J'ai besoin d'un retour des mots doux. Tiens. Est-ce que c'est vraiment, vraiment fluide ou pas? Merci pour qui? Merci pour le retour. Oui, c'est fluide. Ok, super. Donc, t'es là. Oh, c'est fou. J'en reviens pas. T'es là. Il faut vraiment que je monte. Je vais me balayer tout le temps droit. Ah, attendez, j'essaie de voir les. Ah, yes! Donc. Il faudrait peut-être que je m'habille. Je me les caille un peu là. Habillez-vous. Personnel sur le pont. Station Sébastopol en approche. Ok. C'est vrai que ça rappelle Among Us, hein. Mais ce n'est pas Among Us, les amis. On est très loin de Among Us. Quoique, parasite, alien, tout ça. Merci beaucoup, merci Sacha, merci de rappeler que c'est alien. Merci beaucoup. Oh, cette musique. Waouh. Les converses.
J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe R, le Torrent est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer ? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti. Au boulot. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Taylor. Mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente ? ISMG chargé et calibré. Vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents ? Merci, Sun. Merci de l'avoir fait. Observez l'approche dans les écrans. Merci beaucoup. Oh, Taylor ! Est-ce qu'on pourrait voir ? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts ? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Marshal ? Le mec, il a un masque Covid ou quoi ? Marshal, ici le Torrens. Répétez. Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Le début de Among Us. Je peux maintenir le Torrens en position avant la sortie pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. Mon contrat parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Ça plaisante, Zero. Bon, on a un petit souci avec ton cœur. Merci, Wallback. Je vois tout ça. Wallback. Trouver de l'aide.
mille, merci à tous, merci à toutes les amis. C'est tellement un plaisir, vous savez, de partager cette expérience avec vous. Je vous rappelle que c'est un jeu d'horreur. Et n'oubliez pas que les dons, si vous suivez dans la description, sont pour l'association Cœur des Gamers. Et ce live n'était pas prévu. Pas du tout. Et c'est un jeu d'horreur. Est-ce que c'est fluide à un point où c'est... J'ai besoin d'un retour de Lemkra, Lissan et même vous les amis. Est-ce que c'est fluide à un point où genre 60 FPS ou pas? Merci les amis, merci beaucoup. En fait, sur le retour du live, je vois pas du tout en fluide, mais... Ok, nice. Merci beaucoup, Lissan. Merci. D'arriver sur la station Sébastopol et apparemment c'est déjà le bordel. Je vois qu'il y avait pas mal de petites terminales. J'ai compu. Équipage d'ingénieur, démantèlement. Bon les enfants, vous avez déjà sûrement entendu des bruits qui pensent autour au sujet de Sébastopol. Et je peux vous confirmer que c'est officiel, Sébastopol est mis en service. J'entrerai plus en détail avec chacun de vous en ce qui concerne vos contrats et affectations, mais en attendant, on a encore le travail à faire. Les hauts placés veulent que ce soit fait avec une équipe minimale. Ce qui veut dire qu'on aura quelques contractuels, etc. pour aider, et aussi qu'il y aura des heures sup. Je vous conseille de prendre tout ce qui est pour tout ce que vous pouvez donc c'est disponible. Je tiens à préciser que le démantèlement ne veut pas dire pêche à la ligne. Ici notre côté, bon, donc le Marshall va surveiller un petit peu tout ça. D'accord. Ok. Ah les amis, ça sent pas bon, ça. Je suis morte. Bon sang.
fumigène. C'est pas mal. Comment ça marche? Appuyez sur mouse. Ah, R. Mais non, j'avais demandé à Big Mac. Eh oh, y'a quelqu'un? C'est quoi ce bordel? Y'a personne. Ah oui, d'accord, ok. Moi, c'est pas un petit enfant. Petite montre du futur. Merci beaucoup, David, pour les. Pour les tips. Merci beaucoup! J'ai entendu un alien. On va se regarder. Comment tu fais tes bonnes rondes? Bah écoute, c'est simple. Je le fais comme ça. Voilà. Fallait aller à la guerre pour apprendre à faire cette voix. Sylvestonic. Là, si tu cherches ton stock, je l'ai bougé. Tu l'avais laissé en plein lieu. N'importe qui aurait pu le prendre. Bordel! Qu'est-ce que je vais me farcir pour là-bas? Je l'ai planqué dans des KGB. Tu vas pouvoir le trouver. Le code, c'est 0340. T'en fais pas, plus personne descend au terminal maintenant. Pas après ce qui s'est passé. Autre chose, on a plus de médoc et on est presque à court de vous. Mais il va falloir que tu en ramènes. C'est ton tour. Ça t'apprendra peut-être à mieux prendre soin de nos affaires à l'avenir. Anna. Ah ! Bon, j'ai fait une voix d'homme. Excuse. Alors, via la population, le démantèlement de la station Sébastopol, nous avons fait un long chemin ensemble. C'est avec regret que nous arrivons à la fin, c'est vrai. Sixcon Cop aimerait profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont travaillé et vécu sur Sébastopol pendant des années. Nous espérons que Sixcon a participé à créer un environnement productif et épanouissant. Notre investissement et notre foi en la station n'ont jamais faibli. Hein? Pour être sûr que l'intelligence artificielle centrale de Sixcon Apollo, ainsi que ses androïdes lambda, environ de Sébastopol jusqu'à ce que la dernière pièce soit démantelée. Nous souhaitons à tous un brillant avenir. Et après tout, Sébastopol n'est pas juste une station, c'est aussi une communauté. D'accord. Harris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Waits, terminé. Waits. Ok. Ah, Stone Marshall.
Il y en a 3500 3500, regardez à ce jeu, c'est fou. Il n'y a jamais rien qui marche ici. J'aurais pas dit mieux que toi au final. Et je dois faire quoi? Ah! Établir les corps! Un rôle! Moi je rétablis quoi? Ça a un rapport avec. Bon, je retiens le code, les amis. 0341. Sur ce jeu, mais pour l'instant on est sur Alien Isolation, les amis. Oh, cher, on a ramassé. Énorme. Donc là, on vient d'arriver, les amis, dans une station. Peut-être dans l'utilitaire. Ah oui. Ah oui. Te tais. Hé ! Wow ! On court pas dans les couloirs ! Chez moi là, je crois que la station a full temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Waouh, tellement beau. Il y a trop de bruit horrible. Je peux passer là? Non. Oh, l'escalier. Pas d'alien en vue. Pas d'alien en vue. Verlaine! Hey! Wow! Viens me chercher!
ouvre les volets. Bon, tant pis. Vas-y, on a essayé. Mais attends, il y a personne d'autre. On est vraiment les seuls survivants. Ça le fait rien. Oh, des bandes d'arcade! Énorme. Générateur. Ok. D'accord. La porte avec la lumière, tout se passe bien là. Normal. J'ai pas envie d'y aller, mais j'imagine que. Mais je suis mal là, ouais, je m'amuse. Ouais, j'étais pensé sur. Oh, voilà. Non, je dois vraiment y aller. Ok, bah. Je... Non, mais c'est bien là-bas finalement. Donc, je devais jouer à un jeu qui était sympa, voilà. Medikit, ok. Bon, déjà quand t'as un medikit, c'est que c'est pas bon. C'est quoi ça? Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent, Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Ah! La sauvegarde! Bon. C'est où, Salinka? Zoé, je suis désolé, mais j'ai pas besoin que tu viennes la semaine prochaine. Tu n'es pas sans savoir que la boutique bat de l'aide depuis quelques temps déjà, et je ne pourrai pas retenir les créanciers plus longtemps. Il y a simplement plus de personnes qui viennent à Sébastopol. Il n'y a plus personne, d'accord. Et puis, il n'y a pas que nous. On dirait que la station tout entière est dans le rouge et qu'ils arrêtent tout. Ils vont tout vendre pour des miettes. Je suppose que j'ai parlé avec un des ingénieurs. J'ai parlé avec un des ingénieurs et ils pensent qu'ils vont bientôt l'annoncer. Je te dis pas ça pour que tu t'éternises ici à chercher un autre job. C'est fini, Sébastopol. Il est temps de passer à autre chose. D'accord. Polo, Lia qui est central, ok. Ouais, bon, en gros, très bien. Bon, c'est les mêmes messages, d'accord. Apollo, bon, je vais comprendre que c'est un peu l'intelligence artificielle qui gère. Sébastopol. Ah! Non, que dalle! Freddy, c'est toi? J'aurais pas dit mieux. Ok.
rien, on peut pas passer au-dessus. Oh! Oh! Le nouveau Roomba, aspirateur robot, 2177. Merci à tous, merci à vous tous, et à vous toutes les amis, on a encore 3000! C'est 3000! Vous me regardez sur Alien Isolation, c'est énorme, c'est insane. Oui, je garde le masque, je vous rappelle, pour soutenir toutes les personnes qui sont atteintes du Covid, et puis Over va peut-être faire des allers-retours. Bon, espèce. Oh la vache. Oh. Et bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Vieux Champagne, ouais, on se retrouve, c'est le dance floor. C'était naze, c'est la peur qui prend le dessus. Merci beaucoup pour la donation. Merci beaucoup. Merci Daphédéric. Merci beaucoup. Sorry. J'étais obligé. Non, mais c'était pour me. Voilà. Ça doit sûrement être la sortie. Salle principale. Fermé. Ah. Ok. Oh, c'est ouvert là-bas. Merci. Bon, je suis concentré les gens de ouf. Ah, je suis déjà mieux. Ah oui, ça a dû débloquer le truc. J'ai pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est rien, c'est une lumière qui pète. Oh. Oh la sauvegarde. Ouh. Ah. Les amis, on a encore 3000. Il n'y a même pas de dette sur le clavier. Waouh! Oh! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah!
Il me semble qu'il y a un mort ici. Les traces dans le conduit, ça se passe bien ou bien ? Oh. Merde. Ah ! Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Les cafards ! Les cafards ! On peut retirer le truc. Regarde le chat. Qui est droit. Ah yes. Ok. Attends. Ah oh, excellent. Ok, il n'y a pas de son. Pas de problème. C'était un verrouillage Tesla. Pas de problème. Moi je sais que je sortirai. Ah donc ça veut dire que je partirai ça. Ah oui, mais c'est vrai que c'est cul. Allez, Alain. Chut, on te sert. Chut. Oh. Pour l'instant, je récupère pistolet seringue. Je t'entretiens, Aist. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Aist. Merci beaucoup. Écoute, si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là pour un bon bout de temps. On est sur Alien Isolation, les amis. Je veux juste en savoir Alien. Plus sur ton chaud d'horreur. Il vous a tous mis dans un bordel pas possible. Et vu l'heure en même temps, c'est normal. Merci beaucoup, on est encore 3200. Regardez-vous. Non. Sur ce jeu que j'adore, que je voulais absolument faire un jour en live, que j'ai jamais fait. Peut-être que notre ami est juste un peu timide. Quoi ? Je suis pas timide, frère. Ah si, peut-être un peu, mais là... Regarde, c'est quoi ce truc ? Pas d'alien, non, pas d'alien, non. Mais attends, il me semble qu'à l'accueil, on avait un truc comme ça, il me semble. Oui. Ouverture. Ah. Oh. Ah. Bouge pas, pas un geste. Ok. Maintenant, tourne-toi. Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur, d'un vaisseau. Y'a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. C'est moi. Bah ça, pas lui, hein, c'est pas bonne nouvelle. Elle. Parce que ça craint pas mal ici. Elle. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça... C'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Y'a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur! Tu comprends? D'accord. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues.
On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Mais oui, la flotte! Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Ah, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Donne-moi ça. Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Sixon Communications se trouve dans la tour système. Poupée, c'est pas la porte à côté, mais okay. On peut atteindre un transit par la zone de fret. Bon. Mais fais gaffe. Axel. On tombe toujours sur un pépin là-bas. Jolie veste Wayland de Yutani. Mm-hmm. Traître. Bon. Merci à toutes et à tous. Merci à ceux qui arrivent. Merci à ceux qui sont venus aussi. Merci les amis. Oui, c'est cool, ouais, ça. Il va crever. Non ! Pas encore. Pas encore. J'espère. Dans le tuto, on dirait un tuto un peu le truc. Ce serait dommage. C'était toi qui me suivais, là ? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Ah. Reste à côté de moi. Quoi ? Bah, je te colle. Pas un geste. Ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous ? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Janna. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider ? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Janna, tirons-nous d'ici, ok ? Je suis désolée. Bonne chance. T'as l'air mal... Je peux savoir à quoi tu joues. Jardi. Pourquoi tu leur aboies dessus ? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Vous avez quand même l'air mal barré, vu comment... Le pavé numérique disjoncté. J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. Mais non, c'est pas un bobard. Attends, je suis en train de sauvegarder. Sauvegarde ! Je suis en vie ! Hein ? Attends là, comme ça dans la vraie vie. Je m'occupe de l'ascenseur. Attends, je sauvegarde. Tu permets ? C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. Un doigté spécial, mais ça, il y a deux boutons. Et là, je peux le faire ou pas ? Qu'est-ce que t'attends comme ça ? Appuie sur le bouton. Ben, j'ai essayé en fait, mais... Ah, voilà. Super, ah ouais, Lucas ! J'essaie de pas faire trop de bruit par ici. Excellent. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite ! Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, quand on retournera sur le vaisseau, on pourra se détendre, se faire des tresses dans le... On a encore 3500 quasiment, c'est ouf, les amis. Quand on sera sur mon vaisseau, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, et pas dans 107 ans. Ok. Comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça, c'est sûr. Il nous chope un par un. Tu me parles de quoi ? Un psychopathe ? Un dégénéré ? Non, c'est autre chose. Un monstre. Détends-toi. Avance! Merde! Faut qu'on décampe! Par là, baisse-toi! C'est des conneries, ça, putain! On ferait mieux de chercher une sortie! T'es complètement dingue? Y'a aucun moyen de sortir de cet endroit! Au moins ici, on est en sécurité! Ouais, mais pour combien de temps? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein? Bah, on leur tire dessus! Maintenant, ferme-la! T'es en train de me faire flipper! Vous vous sentez en sécurité? Ils ont blagué là avec le coup de côté gauche. Descends-lui. Désolé, mais là, en fait, c'est comme si. Suis-moi. Chaos, regarde un peu plus à gauche. Le corps, je suis pas là. Là, je suis. On est loin de. Ouais, bon. Oh. Des amis à toi ? En vrai, Alexandre, non, ça va avec le masque. J'aime pas trop les étrangers, même les gentlemen comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de salade, petite.
Si tu veux y aller leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'il faut. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement sales. J'avais remarqué. Merci, Adam. Merci beaucoup. Merci, merci. Tu as fermé la porte. Waouh. C'est là-dedans que tu vis? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. Tu n'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. Hein? Ça va faire une semaine que je me terre ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais. Peut-être bien que non, Axel. Il peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. Oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. J'entends ta radio, frère. Oh! Waouh, un nouveau casque Razer. Oh, les amis, on a encore 3400. Fais gaffe de pas l'allumer n'importe où. On se rapproche de la lumière. On y va. Ah! C'est par là. Et maintenant? Je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. J'ai laissé une marque dessus, pour pas l'oublier. Utilise la lampe torche pour trouver l'endroit du conduit. Et si tu jetais un œil dans le coin, on ira nulle part tant que t'auras pas trouvé le conduit. Une marque. T'as laissé une marque sur le conduit? Je déteste cet endroit. Ah! Axel, c'est ça? Attends-moi, j'arrive. Pour ça aussi, il faut un doigté spécial, c'est ça? Oh, il prend tellement son temps. Wouh! Je savais bien qu'il était par ici. Jean, on a envie! Je gère, Fougère. Je gère, Fougère. Rien que pour ça, t'aurais déjà dû mourir depuis longtemps. Oh mon dieu, ça clignote! On est pas sur Phasmophobia. C'était mieux quand c'était éteint, en c'est fait. C'est pas très prudent de s'attarder ici. Je peux rien avoir dans les mains. Comment c'est possible? C'est comme ça que vous vous déplacez? C'est comme ça que se déplacent ceux qui veulent rester en vie. Mais comment je m'enlève le truc dans mes mains, les amis? Est-ce que vous connaissez un petit peu? C'est vrai, j'ai le fumigène depuis tout à l'heure et ça me saoule. On est encore 3400, c'est ouf, les amis, merci. Chut, j'ai entendu. On enlève. Ouais, je comprends, ce sera fait. Faut qu'on rejoigne les autres. Y'a un truc qui merde. Y'a toujours un truc qui merde avec lui. Fais un effort, t'as pas envie de le mettre en pétard. J'ai l'impression qu'on a sagement que la mort vient de nous chercher. Suis-moi. Éteins-moi cette torche. Sauvegarde. On la met en sortie ici. Et une arme, pas cette torche. En fait, non, ah non, les amis, non, non, ça marche pas. Non, F, non, mais non, F, non. J'ai cru que c'était un ennemi. Oui. Restez appuyé, vous avez raison les amis. Je crois, attends. Ah non, non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Nice way. Attends. C'est quoi l'urgence? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Ils sont armés. Et beaucoup trop nombreux pour qu'on les attaque. Qu'on les attaque? On est obligé de passer par là. Pour atteindre la porte au...
pour faire diversion. Le générateur, s'il tombait en panne, il viendrait jeter un œil. J'ai essayé, mais ça marche pas. Dites que moi, tu feras forcément moins de bruit. Super. Qui a vérifié les provisions en dernier? Moi? Pourquoi? Tu te serais pas un peu servi, non? Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, hey, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé? J'en reviens, justement. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss? Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui? C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire que... Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des stocks? Enfin, pour ça, faudrait que t'arrives à faire ton bébé plus de 5 secondes, et je sais pas si t'en es capable. Discuter. T'avais raison. Moi, ça me va. Ils ont pas l'air d'être trop... Trop dangereux. J'ai peut-être mis un peu forte. Attendez, j'arrive. Je suis sur le progrès à venir. Voilà. Ok. Ça va, vas-y. Je suis là. I'm here. Axel. Putain, mais c'est la merde. Faire quoi, Axel? Éteins le générateur. Vraiment qu'on devrait rassembler plus de provisions. Des flingues, de la bouffe, oh, tout ce qu'on peut trouver. On va foutre le bordel! Je vois ce qu'il y a. Le générateur a lâché. C'est éteint tout seul? Non! Il y a quelqu'un dans les barrages. Faut aller vérifier. Tout le monde avec moi. Oh la vache. Oh la vache. Faites gaffe au moins de bruit. Il pourrait être n'importe où. Qui est là? Montre! Direct, joué avec bien. Comment tu peux le savoir, Einstein? Frère, si il m'a fait trop pété, peur. Il y aurait de la fumée. Bah, en tout cas, là, il marche pas. C'est peut-être la sécurité? C'est peut-être un rat qui s'est. Mais mec, c'est pas fait trop peur! Je suis encore dans le coin. Oh! La sauvegarde! Il m'a fait trop peur. Je tiens plus, hein. Axel, il faut faire quoi, Axel? Waouh! Hein? C'est encore loin? On y est presque. Le transit est juste devant. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. T'imaginais pas Sébastopol comme ça, hein? Je suis même pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. Ok, bon, c'est un peu l'inventaire justement dont ils parlaient les personnes là, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont volé apparemment des d'identifrice. Mais non. Axel, dégage, je vais me passer. Oh. Mais Axel, frère. Elle a plus de jus. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Ah, je dois faire demi-tour. L'ambiance musicale est incroyable. Hein. Merci beaucoup les amis, merci à tous. C'est encore 3000, mais c'est ouf. Est-ce qu'on va survivre à l'alien? Wow. Prête. À toi. 1... 2, 3. Ah, pardon. Axel, derrière toi. Axel!
J'arrive, Axel! T'as cru que tu pouvais te servir, connard? Laisse-le tranquille! J'en ai pris à la mauvaise personne! Oh mon sang! Ouais, mon gars! Merde! On dégage! Ces potes seront là d'une minute à l'autre! Faut qu'on se casse! Maintenant! Quoi? C'est lui! Bouge! Tuez-les! Merde! Oh la vache! Je crois qu'il est mort! Non, tu crois? C'est quoi, Axel? Mais. Allez! T'as buté ce type? Parce que sinon, c'est moi qui l'allais tuer! Tu m'as sauvé la vie, Ripley! Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau! Tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, mais. Oui. T'as entendu? J'entends quelque chose. Axel? Oula, j'aime pas trop ça. Tu mets sur moi. J'aime pas trop ça. C'était quoi ce truc? On va partir très loin. C'est fermé. Bienvenue dans Alien! Ah! Pourquoi? Oh la vache! Mais oui, William! Oh la vache! Trop bas d'ascenseur, je l'assiste! C'est une éducation! Dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solution. Le système de transit de Sébastopol est en fonctionnement. Amis qui arrivent à cette heure-là. Merci beaucoup d'être nombreux et nombreuses. Encore 3000 à me regarder sur ce show, c'est fou. On est sur Alien Isolation. Une saga que j'aime énormément. Et un jeu que je n'ai jamais fait. Live. Oh, c'est vrai. Waouh! Par ici, il y a quelqu'un ici. Pourquoi?
Elle me tire dessus! Je crois pas que je suis là pour représenter Cœur de Gamer, Make a Wish. On réalise des rêves pour les enfants malades. Je suis navré si je peux être un peu silencieux en même temps de jouer à un jeu d'horreur. Un jeu d'horreur. Bon! Merci beaucoup les amis, merci beaucoup! Merci Edgar! Tes abos te soutiennent beaucoup, bah carrément! Ok, paye le conduit qui sert à rien! Donc j'imagine qu'on doit aller là-bas? Bah oui, bien sûr, vers les gens qui nous tirent dessus. Normal. Oh la vache. J'ai la bande. Calice, il y a des gens qui ont essayé de me tirer dessus là. Allez, on y va. Un synchroniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Allez, c'est les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Mais c'est un manque d'un! Juste trouver une nouvelle cellule de données. Ah! Là, tu veux souffrir. T'as vu quelque chose? Non! Il n'y a personne! Non! Ils sont trois. Attendez. Mes frères. Salut frère! Ça va ou quoi? La première chose qu'on entend, c'est du bruit dans les conduits. Ouais? Et du bruit dans les escaliers. Genre, ils m'ont pas vu quoi. Comment vous faites pour tenir? Est-ce que ça va? Je vais crever.
gauche. Merci beaucoup. Hey, on peut le faire. Merci, monsieur. Merci de rien. Je crois qu'on est pas ça. Je vous tiens. Non ! Non ! Non ! Oh, non ! Oh, mon corps ! J'ai pris 3 balles, mais tout va bien. Non ! C'est quoi ? On va essayer de courir. Troisième étage ! Ouh ! Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Robotics et Sixon Robotics. Je suis perdu. Ok, bon. On vient de se faire buter, GG ! Bah oui, c'est GG ! Merci Yohan ! Merci le GG. Yohan le GG. Oh ! Regarde, regarde là. Ok, c'est bon. Je crois que c'était là. Ah, c'était là. Personne. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est pas jaune, attends! Oh, calme-toi, calme-toi. Un syntoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Tu m'as pas vu! J'ai vu le tiroir! Ouais, ils sont un peu teubés, mais ils sont forts quand même. Hein. Bon, on va y aller, désolé, hein, je suis un peu le furious noob, mais bon. En même temps, ils sont chauds hein, quand même.
rappelle que nous, on doit récupérer le syntoniseur. Ils sont quatre. Arrête de t'accroupir! Par ici! Il y a quelqu'un ici! Non! J'ai vu, toi. Syntoniseur d'accès. Oui, je sais. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. À droite, c'est pas une bonne idée. Allez, ils sont trois. Cette station est devenue minable. On a fait seulement ce qu'on avait à faire. Je m'en fous, je me casse! Je m'en fous! C'est toi qui es minable! Je crois qu'elle est partie en bas. On va jeter un œil. Ah non. Je rêve. Hors de question que j'aille par là. Elle a pris tout. Attendez. Les amis, j'entends la sauvegarde. Mais oui, c'est le kill. Merci. Mais oui, les amis, merci à tous. Merci à tous.
Bon. J'ai vu un truc vert tout à l'heure. Alors, un truc qui brille. Ah! Ok, c'est derrière. Bon, moi, l'autre, je l'ai buté. Et après, tarif, il le méritait. Écoutez, hein, désolé hein, pour lui, mais... Ah, c'était par là. Non, il fallait la carte d'accès. Yes. Yep. Ok, il faut une carte d'accès. Putain, Seb. Revolver! Wouh! On a un flange! C'est le flange. Regarde. Oh! J'ai une balle. Avec ton nom dessus. Bref. Trouver une cellule de données dans l'assistance. Ok. Sauvegarde. Wow! Je joue à Alien Isolation, les amis. Je vous rappelle que pour le masque, je le porte pas. Pour le respect envers les personnes qui sont atteintes du Covid. Et parce qu'Overspace peut très bien faire des allers-retours. Et moi j'ai le... Tu vois, quand il va arriver, je serai comme ça. Voilà. Avec le masque. Peut-être descendre. Oh. Peut-être remonter. Non. Quand on a dit c'était en bas. Don't panic! Oh! C'est pas très rassurant ces conduits là. Pas très très rassurant ces conduits là. D'accord, donc ça nous ramène ici. Ok, bon, là il me faut. Alors, niveau de sécurité, ok, très faible. On tient, mais. On a une espèce de placard, très bien. Soit je suis teubé. Carte magnétique! Non! Y'a quelqu'un? Je suis surpris. Alors je crois qu'il me semble que j'ai cru comprendre que les crafts permettaient de. Enfin, les objets permettaient pour. Oh mon sang! La boîte noire! Quoi? Quoi? Non! Putain, merde! Ok. Ok. Bon. Concentre-toi. Accès non autorisé détecté. Verrou de sécurité enclenché. Veuillez patienter pour vérification de sécurité. Non, non. Non. C'est quoi ce bordel? Merci encore à tous et à toutes les amis d'être encore là, c'est ouf. Partez vers l'ascenseur. Bon, restons ce truc. D'accord, on va comprendre.
à toujours produire ce qu'on voit. Le F de Fuel Jumper! Ah! Quand j'ai vu l'année 2020, ce que ça a donné. Oh, grenade aveuglante. Pierre. Fais jumper le pirateur. Le hacker. Ouf les amis. Sauvegarde. Je suis pas mort. Et on est encore 2600. Regardez ce live. Si vous êtes fan d'Alien. Ah c'est dorié là. On a besoin du synthétiseur tout à l'heure, j'ai vu là. À mon casse! Ok, c'est bon. Je l'ai hacké. Ouh! Terminal! C'est la Starlink! N'hésitez pas à mettre pause, les amis, si vous voulez des trucs. Oui, la Camelot. C'est pas très rassurant tout ça. Oh. C'était bien, c'était un bon live, les amis. Hein, voilà, on va s'arrêter là. C'était sympa. Voilà. Bon, merci à tous et merci à toutes. Et voilà. On va couper le live maintenant. Oh non. J'imagine qu'on peut pas le tuer, hein, sinon il y aurait plus de suspense. Et voilà, c'est bon, vous l'avez vu. Merci Pic, ça fait juste ça. Je kiffe énormément ton contenu, je te suis plus longtemps, merci beaucoup, je change jamais, merci Pic, merci beaucoup les amis. Ouais, c'est bien, voilà, c'est bon. Non, je blague, je le sens. La sauvegarde. Overspace ! Ah, il va te coucher. Et ça l'arrange bien, à mon avis.
On continue ou pas? Allez, on continue. Okay. Donc il faut remonter. De le ralentir, ok, merci Théo. Le ralentir, c'est pas mal en vrai. Waouh! Furieux Sacker! Merci à vous tous et à vous toutes. C'est là qu'à mon avis. Oh non, 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 non. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Pourquoi? Tous les visiteurs doivent s'enregistrer à la réception. Pouah, je suis désolé hein, pour ceux à qui j'ai fait peur, mais... Amanda Ripley, j'ai besoin de votre aide. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Pas étonnant que Sixon soit en perte de vitesse. Dans la vie, tout va si vite que l'on peut très rapidement se sentir dépassé. Chez Sixon, nous gardons toujours en tête que notre objectif est une communication claire qui rapproche les gens. Wow, je suis pas mort. C'est pourquoi toutes nos communications sont gérées par l'intelligence artificielle Apollo, qui centralise toutes les requêtes de sorte que vos messages se perdent jamais. Dans notre vision d'ensemble, chaque détail a son importance. Ok. En fait, j'ai pu gérer le... J'ai pu dériver un petit peu les... Les effets. Eh ben, ça en fait des androïdes. Puis-je vous aider ? Je dois aller au contrôle des communications, c'est urgent. Il s'agit d'une zone interdite. C'est important ! Vous voyez pas ce qui se passe ? Apollo contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber, je me trouverai un chemin. Je vous le déconseille. Ah ouais ? Le mec très... Au top. Faites confiance à Amanda. Tout disponible.
pas ça. C'est oh, le détecteur. Le détecteur que j'avais déjà testé. Bon, il y en a encore plus. Tellement classe. Êtes-vous perdu? On t'a fait une tête frite. Aucun problème. Énorme. Oh. Hugues, j'ai installé un verrou manuel sur la porte qui mène à l'étage. Je ne veux aucun silence que tu l'écoutes qui cloche. Tiens. Bon, il y a beaucoup de choses. Marie, si jamais t'as ce message, je suis en route pour le centre de communication Sixon. Je ne t'ai pas réveillé parce que je savais que tu allais m'arrêter. J'espère que tu comprendras, c'est notre meilleure chance. Quelqu'un doit rétablir les communications. Il faut qu'on fasse en sorte que le gouvernement sache ce qui se passe. T'inquiète pas, je vais revenir. J'ai pas l'intention de vous laisser tomber, Claire et toi. Génial! J'espère que vous voyez bien le... Ok, bon, on a un capteur. Maintenant, on en sait un peu plus. Je vais pas remettre les cheveux. Ah, ça capte tout le monde, quoi. C'est génial. Oh, là, c'est le futur, ce truc. Ah, non, ça capte le lambda qui est en bas. Alors, attendez, faut aller où? Donc, allez à la salle de contrôle des comms, la salle de contrôle des communications pour gérer les connexions, etc. Oui, parce que oui, je vous rappelle qu'on est venu à plusieurs, hein, de base. Oh non, c'est pas là. Oh. Putain, mais quoi ici? Ça, on s'en fout. On s'en fout. Et là... Ok, voilà. Alors, j'imagine qu'il faut retourner sur ses pas, hein. Le bip qui en fout, ouais, j'avoue. Non, on n'a pas d'accès. Oh, là, peut-être là. Waouh, c'est énorme en fait ici. Je suis pas au bon endroit, je pense. Donc c'est ici. J'ai raté un truc. Ah, peut-être le contrôle d'accès directement au niveau de la terminale. Le capteur. Face le capteur. Voilà, bon côté. Je m'en doutais. La sauvegarde. Attendez, attendez, j'entends une sauvegarde. Oh! La sauvegarde! Y'a plus d'aliens, mais oui, non, bah, y'a plus d'aliens. Et c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Moi, bah, voilà, moi ça me va. Les points situés au bord de l'écran, des détecteurs mouvement, des détecteurs objectifs. Ok, bon, c'est pas ce que j'ai cru comprendre. Ok. Laissez-moi passer. Je dois contacter mon vaisseau. Navré, je ne peux pas vous laisser faire. Ripley, Amanda, vous êtes désormais connecté à Apollo. Bienvenue sur la station Sébastopol. Il y a forcément un autre chemin. Ok, donc je fais quoi? Le petit qu'elle donne, hein. Ramasser tout.
Attends, là, ça je peux peut-être le... Yeah. Le hack. Qu'est-ce que... J'ai compris. D'accord. Yes. On est avant Among Us, quoi. Oh. Pile de lampe torche. Oula, calme-toi. Laissez-moi passer. C'est moi, Hughes. Vous ne reconnaissez pas ou quoi? Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Trouvons une solution à la diable. Oh. Oh putain. Bonne journée. Il lui a pété la tête. Bon bah les lambda, c'est pas les potes, clairement. Il lui a pété la tête. Bon bah il est mort. Très bien. Bon, on a un fly hein. Ok. C'est quoi ça? RIP Michel. Pas de Joe. Ça. Oh la vache. J'entendais un mec. C'est pas l'ascenseur là? Ok, c'est bon. Yes! Pouh! Allez. Easy peasy les gens. Mets-toi un coupi. Ben voilà, tiens, c'est ce que je fais. Mais ça, on est encore 2400. Il faut beaucoup de balles pour tuer un hybride. Ah ouais? Combien de balles? J'ai vu. Ah, la salle de contrôle des comms. La salle de contrôle des communications pour acheter les communications. Suis le signal. Yes, c'est ça, c'est en haut.
Image caméra, ça, ça dégage. Tu vas faire sans verre, on s'en fout, c'est pas grave. Il reste pas de cam. Communication extérieure désactivée sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont suspendues. Oh, super, il manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Ok, on a des androïdes, on a des lambda. J'imagine qu'il faut éviter de courir, hein. Et on va se garder. Et sauvegarde, sauvegarde. Wouh. Ça mène pas où je veux aller. Oh oui, ça c'est bon ça. Ça capte mal mais on les a. Ah! Non, c'est pas là que je veux sortir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, les amis. Merci beaucoup, vous êtes encore 2300 à me suivre. On est sur Alien Isolation et je suis concentré comme jamais. Et il faut que je par là. Mais non mais frère. C'est même pas encore l'alien. Mais monsieur propre, casse-toi, monsieur propre. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Tu vas prendre ta tête. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Pas courir, pas courir, pas courir.
Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Mais quoi? T'es pas mort, toi? Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Je sais, moi aussi j'avais eu besoin d'aide. Merci. Je crois qu'il a pas aimé. Hein. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous... Samuels, vous êtes vivant. Ici Ripley. Ripley? Quel heure c'est Ripley? On s'inquiétait. On pensait... J'en suis sorti. Où êtes-vous? Nous sommes actuellement dans une gare de transit, à côté du centre de soins. Entendu. Samuels, écoutez-moi. Vous n'êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon. Leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible, c'est contraire à toute la programmation de synthétique primaire. Messieurs Samuels, je suppose que Sixon a une conception différente des synthétiques. Ah ouais, ça, et il y a autre chose, une créature énorme et meurtrière. S'il vous plaît, calmez-vous. Quelle créature? Une forme de vie, une espèce inconnue. Une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est... S'il vous plaît, Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer, il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne et les blessures. Torrance? La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Oh merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Non. J'ai plus de respect. Même ça, il m'interdise. Grâce à Sixon, quelqu'un est toujours là pour vous. Pour vous aider à chaque étape du chemin. Je resterai là. Serai tout aussi bien. Entrez. Non, je suis encore en vie. Non. Rien. Voilà. Je suis sûr que c'est un malentendu. Oh la vache. Oh la vache. Il va falloir courir. Non, ils sont deux. Ouais, c'est moi, ouais. Non. Je suis pas trop bon en termes de... Bonjour, c'est pas moi, c'est la dernière. Non. Non. Mais non, mais ils ont pété un boulard! Communication centrale, avenir énervé. C'est un peu de français. Communication centrale. Avenir énervé. Les visiteurs doivent se présenter à la réception. Ouvre le train! Ce jeu est fou.
Oh, oh, oh. Ne courez pas. Ne courez pas. J'espère que c'était par là. Oui, c'est ça. Et tiens, voilà, c'est bon! T'as le seum! Et ouais, t'as le seum, ben ouais! Et ouais, ma gueule! C'est horrible! Et merci encore, les amis, on a encore tenu! Pas d'alien, hein. Sachant que j'ai pas encore sauvegardé. Non, non, pas d'alien maintenant. Non, 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 non. Oh, j'en peux plus, les gens. Désolé, mais ça je connais. Il arrive. Une heure du matin, mais oui, c'est fou. La pluie de cœur, les amis. Oh là, je suis en train de mourir. Faut descendre. Toi, ton frère. Allez, donne. Pas de musique horrible là. Emma, c'est bien, mais quand c'est toi qui le fais, c'est tellement pas la même. Mais à quoi ça sert d'en débloquer ça? Une petite douche, personne. Pas la ligne. Attends, mais c'est où je dois aller là? Je descends, je descends. Mais si j'ai passé, je t'aime. Thank you.
Oh non. Non. Pistolet seringue. Oh, je peux soigner. Oups. Oh. Enfin un autre. C'est étrange. Très bien. Très bien. Non, non, ça c'est pire. Pas gentil, pas gentil. Lambda, lambda, ouais. Quoi le but? Bah c'est aller à la tour Sixten. Sixten. Oh là 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 là. Je pense que dans une petite heure, les amis, je vous laisserai. Il y aura l'alien, lol. GPS. En vrai, je m'en sors bien. J'attends tes grilles. Je sais pas comment le prendre. Sors bien. Oh, la sors bien. Oh là là là. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Transit vers la tour. Cette station dessert Sixon Communication Technologie, okay. Sixon Synthetics et Gemini. Bah, y'a pas qui soupe, j'y vais. Hein. Il est 1h05 du matin, mais oui! Ah oh, oui, on est à fond. C'est horrible. Ce jeu est horrible. Pourquoi tant de haine? On est RP ici. Cette station dessert la maison médicale Saint-Cristobal et Sixon Synthetics. Ripley. Ouf. C'est toi, Ripley. Ouh là là. T'as pas l'air bien, toi. Hein. Bah, c'est ce que je voulais dire ce soir. Comment va-t-elle? Ils lui font un traitement. Le centre médical est proche, mais je ne voulais pas la laisser seule. Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux trouver. Restez avec elle. Aïe. Je vais essayer de réparer l'amplificateur radio. Et si la créature nous attaque? Cachez-vous. Une faille de sécurité non autorisée a été détectée. Tous les transits sont suspendus sur ordre d'Apollo. De temps après, c'est quoi cette horreur? Donc là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Restez oh avec moi, Théo. Pensez aux autres voyageurs. Emportez vos déchets avec vous. On croit en toi, Fufu. Merci beaucoup. Merci au Modo. Merci aux modératrices. Merci à vous tous et à vous toutes les amis. Je vous rappelle que je suis là pour Cure de Gamer. N'hésitez pas à balancer un maximum de
tips de dons. Oh vache. Je crois que j'allais boire un coup d'eau après, parce que là... Ah, j'ai vu quelqu'un. Verrouillé. Wow ! Frère ! Oh, voilà la porte. Oh non. Je cherche un médecin. Vous m'entendez ? Je cherche un... Je vous entends pas, attendez. Qui me parle ? Oh. Montez, je vous ai ouvert l'ascenseur. GLaDOS ? Allez, venez ! On n'a pas de temps à perdre. Ouais, j'ai moyennement confiance. Prends l'ascenseur, vas-y, aucun problème. Merci à la personne qui a acheté un pull, feu de part, c'est gentil. Merci beaucoup les amis, c'est gentil. Enfin, c'est gentil. C'est énorme. N'oublie pas de soutenir la cause. On va utiliser ça, c'est plus RP. Oubliez la porte, les marchands l'ont tout verrouillé. Passez par le conduit d'aération. Conduit d'aération. Ça va, monsieur. Mais j'ai besoin d'aller boire un coup d'eau. C'est fermé le conduit derrière moi. Pourquoi il y a autant de cœur? Je vais mourir, c'est ça? Merci, les amis! Jordi Gamer, mais oui! Il y en a encore 2000! Il est 1h du matin. C'est insane. Et je reviens tout de suite. Je vais prendre une bouteille d'eau. Je vais. On est bien là-dedans, hein? Je pense. Bon, je reviens tout de suite. J'arrive tout de suite, les amis. J'arrive. La bouteille d'eau qui m'a sauvé la life.
Et re, les amis! Re! Je suis là! Je me barre! Bon! J'ai tout ce qu'il faut. Le mec, il est resté. Trois quarts d'heure qu'on lisse dans le causier. Ah! Overspace est en train de dormir. C'est l'anecdote du jour. Merci beaucoup, merci! Il y a trop de monde à moi! J'ai acheté un pull et un masque et un sac, il y a du chien, merci la fille! Merci à vous tous et à vous toutes, les amis! C'est tellement un plaisir, vous savez même pas à quel point de jouer à Alien avec vous, enfin je veux dire, parce que c'est pas du tout le contenu de ma chaîne, j'en suis conscient. Vu l'heure et si je peux rester au maximum avec vous, c'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pourquoi tu portes un masque? Eh bien écoute, un bruit, alors je vais le dire. Les amis, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire aux gens qui ont posé la question. Je le porte pour soutenir. Gros cœur. Pour soutenir toutes les personnes qui sont atteintes du Covid. C'est pas un lambda. Et voilà. Tout simplement. Et parce que. Voilà, c'est comme ça. Ça sert à rien à cacher, hein. Oh Dieu, il n'a pas de bouche. Oh Dieu. Non, mais bon. Je suis Coleman. Ripley, je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide, de matériel médical. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas, au dispensaire de l'hôpital. On y va comment? Comment ça, on? Vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin? Écoutez, j'ai besoin de votre aide et vous de la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche? Le code? Exactement. Je peux vous guider d'ici, si vous voulez. Morley ou Wingard devait sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morley. Et gros big up, je répète, à Lissandro, à Lemkra, à vous et à tous les autres modos qui sont présents sur le chat avec vous. Et ils sont très contents d'être avec vous. Ils m'ont dit en off. Pour eux, c'est un plaisir de d'être la meilleure communauté en même temps, donc normal. Voilà, merci Daffy encore. Je suis là pour tout à l'heure, je t'adore, merci. C'est quoi le jeu? Bah écoute Nicolas, c'est Alien Isolation. Voilà. Il est 1h18, effectivement. Dark Light! Pouah, c'est pseudo. Tu es sombre, tu es une lumière sombre. Un peu tamisé. Le jeu est sur quelle plateforme, s'il vous plaît? Maxence, bah écoute, je crois qu'il est sur toutes les plateformes. Hein. Je crois qu'Alien Isolation est sur toutes les plateformes. Oh, c'est beau. J'ai les modos, mais Johan! Mais merci, frère! Merci, Johan! On est avec toi, merci! Oh là là! De toute façon, je vais dire, j'ai pas de mots. J'avais les larmes aux yeux quand j'avais dit ça hier. Allez! En même temps, faut qu'on travaille en équipe, vous pensez pas? C'est un peu. Voilà, on passé pour. Hein, pour un faible, mais bon. Continuez. Dans la zone où vous êtes, on mettait nos patients les plus instables, ceux qui souffraient de troubles d'adaptation à l'espace lointain. Dis-moi juste où aller. Les cas tragiques. Vous tracassez pas, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus là. Était le docteur Coleman. Coleman a dit qu'il a dit qu'il sait comment se rendre au dispensaire médical de l'étage inférieur, mais a besoin de votre aide. Le mauvais accent belge. J'aimerais bien tester une mitraillette un de ces quatre en Belgique, tiens. Mais quoi, c'est par là? Seigneur consultant. C'est un coup de c'est ça, hein, c'est dans ce couloir. On dirait Resident Evil. Ouais, grave. C'est vrai, on dirait vachement Resident Evil. T'as lié tes trousses? Non, pas encore. Non, en vrai, non, je pense pas. Là, pour l'instant... Bureau de Morley. C'est là? Yeah! Among Us!
Est-ce que vous avez kiffé justement le mode Minecraft d'aujourd'hui, les amis? Vous y êtes, c'est le bureau de Morley. Le code d'accès devrait être quelque part par ici. C'est Jean-Paul. Belmont. Merci. Vous rigolez, je suis pas un acteur, mais c'est gentil, mais. Jean-Paul Belmondo, quel homme. Il est 1h21 déjà. Ouais, grave. On a encore 1800. Vous êtes 1800, vous regardez. Et ça va, vous kiffez ou pas? Ils sont cool, hein. Tu vois, j'ai quelle heure, Boudi? Bah écoute, franchement, quand les modos sont partis. Vous avez trouvé le code? Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morley la garde. Je rappelle, je représente. Trouvez-le. Cœur de gamer, les amis. Cœur de gamer. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détecté. Attention, violation de la quarantaine du centre médical. Ça, c'est pas cœur de gamer. Concentré sur la recherche de la carte d'accès. C'était pas Flocon. C'était pas Flocon. Ah, j'ai pas vu ce comics là. Merci encore. Oh là là, Daffy Dog. Je suis en train de réveiller Overspace, mais on s'en fout. T'as mangé quoi ce midi? Bah écoute, Noyo, j'ai mangé. J'ai mangé des nems. Et hier, j'ai mangé un petit. Un petit kebab là. Je sais pas si vous dites ça pareil que moi, mais en mode, moi je dis un Libanais, tu sais. Tu vois, quand tu manges un wrap kebab, un Libanais. Moi j'appelle ça un Libanais, je sais que j'ai beaucoup de potes qui appellent ça un Libanais et j'ai beaucoup de potes qui aiment pas quand on dit ça. Je sais qu'Oxy il n'aimait pas du tout quand je disais ça, il me dit ouais, Libanais, parce que Oxy là qui a des origines du Liban, c'est magnifique d'ailleurs hein, comme pays. Et j'ai mangé un Libanais hier midi. Entièrement, et c'était super bon quoi. Salade tomate oignon, sauce samouraï ou algérienne. Pareil, c'est vrai. Ah, c'est le feu, c'est le feu. Non, pas Larissa, non, j'ai pas pris Larissa. Je suis un faible. Larissa, non, elle pique. C'est ce revolver. Faut retourner voir le docteur. Oh non. Oh non. Spam dans le chat. Pour l'instant, il n'y a pas de Discord de prévu, les amis. Ça viendra. Alors, petite anecdote. Est-ce que vous savez comment est conçu un alien? On va voir les pros. Comment est conçu? Comment l'alien est créé?
Gizmo. J'arrive. J'ai besoin de Gizmo. Non mais quand je dis Gizmo, voilà. J'ai inversé les touches. Chimique. Non. Docteur No, j'espère que c'est pas un truc comme moins de 18. Frère, il est 1h du mat. Une fois. Ripley, je cherche un médecin. Je suis un truc, mon ami a besoin d'aide, de matériel aussi médical. Moi aussi. Je fais un jeu d'horreur. Et encore, on bloque ça. Par contre, il y a tout horrible. Ce que vous voulez en bas, au dispensaire de l'hôpital. On y va comment? Comment ça? Vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin? Écoutez, j'ai besoin de votre aide et vous de la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, j'ai confondu contrôle ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche? Le code? Exactement. Ouais, ouais. Je peux vous guider d'ici, si vous voulez. Morley ou Wingard devait sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morley. Attendez. Attendez. Ben, bon. Bon, maintenant on a Gizmo. Hein, alias l'ancien Baby Yoda. Je suis désolé, hein, pour moi c'est... Bonjour, on va voler la mascotte de Disney. La vérité. Bon, écoute, Gizmo. On doit faire quelque chose ensemble. Allez, faut qu'on travaille en équipe, vous pensez pas? On y gagne tous les deux. Et encore 1800. On est 1800, Gizmo. T'as entendu ça? Bah ouais, tu m'étonnes que j'ai entendu ça, t'as mes oreilles. Oh là. Merci beaucoup Famida, merci pour ta joie de vivre et merci de partager ta passion. Tous les jours quand je rentre du boulot, je me détends en regardant. Oh, merci beaucoup, oh my god. D'ailleurs, les amis, je vous balance une anecdote et un spoil pour le mois d'avril. Je ferai pour le 1er avril. Ça faisait partie des Goal Life de base. Mais pour première ville, une vidéo ASMR. Les cas tragiques. Vous ne tracassez pas, ça fait bien longtemps. Ils sont plus là. On dirait ils volent. T'es mort, on dirait ils volent. On va les mettre, les masques Covid, là. Non, bon. Non, c'est... Ouais, moi, c'est... Bon, allez. T'inquiète. La vache, c'est pas... Eh, oh. Mais non, mais... Ah oui! C'est bon, j'ai une idée, les amis. Vous inquiétez mes peaux. Au revoir, si ça passe. Ah non, ça passera jamais. Un truc pareil, ça passera pas. Je pense que YouTube ils peuvent valider ça.
Franchement! Hey! Michou, il a le seum, là! Hey, Michou, il arrive, il voit ça, il fait... Ah, ok, les gars, mais ouais, mais là... Là, c'est mort, là. Là, c'est mort, là. Oh, la vache. Un gros big up aussi également à Michou. Énorme. Énorme. Quel homme. Mais vraiment, c'est Michou, ça. Vraiment. C'est dans ce couloir. Incroyable. Il a pu rassembler une communauté. Et ben vous savez quoi, je vais vous raconter un petit peu la vérité sur moi et Oxy. Depuis le temps que vous la vouliez. Et ben sachez que... Attendez! Je rigole tout seul comme un gosse. Bon, on va laisser normalement. Allez. Hop là. Gizmo. Gizmo. Donc, alors, avec Oxylac, on s'est pas du tout engueulé, les amis. Pas du tout. En fait, je vais vous expliquer la seule et unique raison. Sorry pour tous ceux et toutes celles hein, qui ont. Oh, c'est un jeton de poker! Vous connaissez déjà un petit peu le rapport. J'ai la même. Non? Bon. On peut le dire. L'histoire en fait, par rapport à ça, c'est qu'en gros, avec Oxy, on s'est jamais engueulé en fait. Il faut savoir que, en gros, Oxy avait besoin de. Un peu de s'éloigner un petit peu de la chaîne Joe Jumper, ce que je peux comprendre dans le sens qu'il en avait un petit peu marre d'avoir des commentaires dans le sens ouais, pourquoi Féo s'il n'est pas là. Pourquoi Fufu il est pas là et tout, et c'est pas votre faute hein, c'est pas votre faute, mais voilà. Il avait besoin de... De se retrouver, et c'est pour ça qu'avec Mathias, on se parle toujours. Et il a bientôt le 1 million d'abonnés. Vous avez trouvé le code? Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Et bon, les amis, c'est aussi pour ça qu'il n'y aura jamais de Ice Cream Survival saison 3 parce que beaucoup d'entre vous. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détectée. Attention, l'alien arrive, l'alien attendra. L'alien aussi veut Ice Cream. L'alien, c'est pour ça qu'il veut Ice Cream. En fait, beaucoup de gens me disent ok, ouais, mais pourquoi pas Ice Cream? Pourquoi tu fais pas avec Over? J'adore Over. J'aime Over. J'aime Oxy. Et mettez-vous à ma place, c'est en mode, bah... En fait, pour le respect entre l'un et l'autre, je peux pas faire Ice Cream. Parce que si je fais Ice Cream avec Over, ok, ce sera génial. Mais ça vaudra peut-être pas avec Oxy. Et si je fais avec Oxy, peut-être que ça va... Enfin, ça vaudra pas avec Over. Bref, et du coup... Pour respect, et je suis vraiment navré, il y aura pas de Ice Cream saison 3, parce que... Bah, c'était bon et Oxy, et puis voilà, c'est... C'est la bonne... C'est la vieille époque. Mais on se parle toujours. Gizmo, viens en haut. Arrête de faire ton verse, laisse-le.
Diamond, pour Discord, ouais. Bientôt, un T4. Je suis sur aucun serveur Discord. Je suis pas sur le serveur Discord de Overspace, de Lemkra, de Moustache, pas du tout. J'attends d'avoir le mien avant de. Mais pourquoi on peut pas se relever dans l'escalier ? On a encore 1700. Mes amis, vous êtes fous. Vous ennuyez. Enfin, vous ennuyez. Enfin. T'es ma chance de faire exactement, Vaudou ! Arrête, arrête, te lève pas ! Donc les aliens, pour ceux qui connaissent pas, sortent du bide. Merci, Loïloch! Que les 4 millions d'abos! Attends, attends, frère. Attends, attends, attends. Ils sortent du bide. Voilà. Ça se passe comme ça. Et il y a une partie de leur ADN qui est copiée de là où a été pondu l'œuf. Donc si vous êtes un être humain, comme nous, c'est-à-dire bipède, hein, je crois que c'est ça. En gros, l'alien marchera comme un être humain. Je vais crever à cause de toi, Gizmo. Gizmo. Non, 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 tais-toi, tais-toi. Gizmo ! Bon, là, c'est ma faute. C'est à cause de Gizmo, hein. Il a commencé à chanter, hein. Non, on s'en fout. Bon, si j'arrive à passer cette partie-là, ça sera la fin du live. Je suis Coleman. Ripley. Oui, blablabla. Je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide. Oui. De matériel médical. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas, au dispensaire de l'hôpital. On y va comment ? Comment ça, bon, vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin ? Écoutez, j'ai besoin de votre aide. C'est Adriel ! Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça, les amis ? Ça marche ? Le code ? Exactement. Je peux vous guider d'ici, si vous voulez. Morley ou Wingard devait sûrement avoir le nouveau code d'accès. Caroline, j'ai vu ton idée. Je le prends vachement bien, en vrai. Merci beaucoup! Allez, faut qu'on travaille en équipe, vous pensez pas? On s'en fout, on s'en fout! Dans la zone où vous êtes, on mettait nos bases. Non, non, mauvaise route! Oh la vache. Dis-moi juste où aller, Coleman. C'est ça, c'est dans ce couloir. Je vous avais dit qu'il voulait un câlin à Maxence, mais ouais. Le naze. Le naze. Hashtag gros naze. Par ici.
aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morley la garde toujours sur lui. Trouvez-le. Attendez-vous, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. En attendant, restez concentrés sur la recherche de la carte d'accès. Je sais. Je suis mort. Vous êtes assis au bord de la rivière, non loin d'un gros bus. Merci la vie. Pour le retour de Herc, trop cool. Bientôt. C'est quoi ? Après ça, on ira sur Herc. Les amis, je vous aime. C'est quoi le mot de passe? Faites un retour sur le live, je vous aime. C'est quoi le mot de passe? C'est pas 17 et des brouettes? Adieu. Non. C'était quoi le mot de passe? Pas 17-0-23 ou 17-23, un truc comme ça. 17-02. Merci Valentin, merci Sam. Merci les amis. 17-02. Oh, c'est quoi l'alien? Il peut pas test avec une team pareille. 17-02. Merci Léna. Merci. Over est over en vrai. Voodoo, Nissan, les modos, même vous les amis. Over là, ils sont en train de mourir là, on est d'accord. Hein. Ils le feraient pas ça. Hein. Merci beaucoup les amis, merci pour le 17-02. D'accord que ça. Quand je suis en pause comme ça, il n'y a pas de problème. Quand je lis le PC, quand je lis le GPS, l'alien se déplace. On est d'accord, les gens. Oui. Là, Over, il pètera un câble. Non! Si. L'enfoiré, il arrive!
quand je recule dans le casier comme ça, je retiens ma respiration. Comme ça. Et si je veux pas le bip, c'est volontaire. Si tu bouges pas. Je suis d'accord, ouais, mais à un moment, il faut... Je suis mort. Y'a mon frère, faut rejoindre chez moi. Ma mère va dire quoi? Bah écoute, y'avait un xénomorphe. Je
Le roux, ça je tiens mon crédit. J'aurais même dit mieux, spectateur. Merci, Ethan. Mais en vrai. Non mais tu te fous de ma gueule. Pourquoi tu parles pas, Manora, à ton avis? Pourquoi je parle pas? Survivre. Une flaque d'eau, mais c'est ça. De brun là. C'était où je devais aller, les amis? Sur le tableau. Oh non. Gizmo. Je t'avais dit où?
me souviens plus. Je me souviens plus. Je vous rappelle que je représente Cœur de Gamer, les amis. Bien sûr. Ouais, Morley, ouais, bien sûr, ouais. Mais A27, merci Noé. A27. Donc c'est de l'autre côté. Non, tu m'as pas vu. Non. Oh non. Oh non, 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 non. On est bon, les amis. C'est bon là? C'était ça? C'était... Non mais c'est... vraiment c'est ça ou pas? Il y a besoin de... d'autre chose ou pas? Et bonjour et bonjour à toutes et à bientôt les amis, à tous ceux qui s'en vont.
parti. Non mais attends, j'ai tout fait là. C'est Alien Isolation. Mais attends, mais j'ai tout fait. Il va mourir. Non, je vais pas mourir, non. La 21. J'essaie de voir les... Merci Tito. Putain, j'ai alimenté ça, regardez. Le let's play du pack du placard.
Ben voilà. Ronald ! Voilà. Super. Tout se passe bien. Ça va, très bien. Après ça, j'arrête. Hein. Après ça, j'arrête. Hein. Je peux plus, Samy. J'aurais pas pu passer par là. Je parle plus.
pas bon. On est d'accord, c'est là-bas que je dois aller. C'est 20h, ouais, j'ai eu ça. Enfoiré, vous saviez que cette chose était ici? Non, c'est faux. Je pensais qu'elle pouvait être la nuance. Vous avez le code? 1702, c'est bon? Maintenant, on descend au dispensaire. Oui, bien sûr, une promesse est une promesse. Navré de vous avoir fait endurer tout ça. Je vais aller dans votre salle pour saisir le code et démarrer la frère. Ensuite, on pourra utiliser la carte d'accès pour descendre au dispensaire. Mais c'est ouf que j'ai vécu. Je suis même pas mort. Est-ce que ça va pas le GG ça? Oh mon dieu, mais ouais, je suis en train de mourir. Ah mais là c'est la fin après hein. Voilà. C'est horrible. Là mon frère, je vais ramasser mes affaires et nous pouvons partir. Avec lui, hein, écoute, moi je vais rentrer chez moi. Je me casse. Je me casse. Mais non, mais où là? Bon. Les dans bon, bah les amis, bah écoutez, on va s'arrêter là de toute façon pour le live, étant donné que il est déjà 2h16 du matin. Waouh! Oh là, oui, je suis désolé, j'ai pas beaucoup parlé sur la fin du live parce que bah là en même temps. Enfin, what the fuck, j'ai envie de dire en même temps. Vu le stress! Oh là là, au bord de la WC, tu m'étonnes! Bah ouais, non mais laisse tomber quoi, c'est. Oh, j'adore ce jeu, hein, j'adore. Mais. C'était beau. C'était beau. Oh là 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 là, les gens! Merci Loïs! Merci pour les tips, merci beaucoup. Oh là là! Oh la PLS! La PLS quoi. Eh ben écoutez les amis, si je mets en full calme, en full calme, oh yeah! On va du coup, s'arrêter là, voilà, parce que bon, il paraît que, alors, attendez, je vais juste mettre ça, voilà, histoire de mettre un son en fond, pour justement la chaîne YouTube, c'est fou, c'était fou, enfin, d'avoir été autant nombreux et nombreuses ce soir, voilà.
Voilà, c'était fou. Pouah ! Je pense que là, je vais bien dormir à mon avis. En tout cas, merci à tous, merci à toutes. C'était énorme. C'était énorme. Bonne nuit à tous, bonne nuit à toutes. Merci encore à toutes les personnes qui ont donné des dons. Je vous rappelle que tous les dons sont pour Cœur de Gamer, Make a Wish, réaliser un vœu pour les enfants malades. C'est un plaisir d'avoir fait Alien Isolation avec vous parce que j'adore ce jeu. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et voilà, donc gros bisous aussi également à Overspace qui dort depuis déjà 3-4 heures. Voilà, c'était fou. Merci. Vous étiez 2 à 3 000 en accompagné pour ce live. Et c'est énorme. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas été trop ennuyé parce que bon, pour le coup, c'est pas du Roblox. Ça n'a pas été fait. Merci, Lefdog. Merci encore. Merci, Lefdog. Voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Et écoutez, on se retrouve peut-être demain pour un nouveau live. En tout cas, merci aussi également au Modo quand t'es présent. Et j'allais dire bonne nuit. Oups. Les musiques de Flo Jumper. Voilà, c'est bon.